Mais ils ont disparu, cette tribu a disparu. En tout cas, elle a disparu physiquement. Ce qui veut dire aussi peut-être qu'elle est encore un peu présente dans l'inconscient collectif. Certains appellent ça le subconscient. Voire même certains, à travers peut-être certains animaux, peut-être incarnés. Et c'est bon de savoir ça, n'est-ce pas? On a continué à garder en mémoire cette partie de nous. Est-ce que ça l'apporte? Je pense pas. Ouais, mais tu l'as fait avec tes doigts. Et c'est bon de savoir ça, n'est-ce pas? Alors, en continuant à entendre une partie de ce que je dis, ou une partie, ou juste une partie de chaque partie. Une autre partie de toi pour revivre ce rêve plané. C'est plus facile de savoir ça. C'est plus facile de savoir ça. En même temps, en capacité de le faire. Tu peux entendre les mots à l'extérieur, sans le voir. Une parole aussi, du vent à travers les feuilles. Ou délicatement. Et en même temps, une partie de toi est ici, bien présent. Et une autre partie se reconnecte à l'esprit de ses mains. Cette tribu qui portait comme un témoignage de la terre. L'immensité des possibilités de l'être humain. L'humanité aussi de ce que je fais à naître. Une autre partie de toi peut commencer à revivre ce rêve. Un peu comme si tu pouvais entendre ce que le souffle du vent pouvait émerveiller à travers le feu. Comme si cet arbre était en train de te délivrer ce message. Écoute le message des feuilles. Ou du vent à travers les feuilles. Comme le souffle, les paroles. Entendre le message secret. Quelque chose de vraiment particulier. Quelque chose qui parle profondément. Maintenant. Continue de faire ce que tu continues de faire. Une partie de toi, une autre fait ce rêve. Une autre partie du central attend le message secret. Une autre partie peut commencer à simplement écouter les mots et réaliser ce que je te demande de faire. Il faut commencer par remercier, à veiller de ce qui est vraiment important. Maintenant, voilà, profondément, comme cela, immerge-toi de l'expansion de ton corps avec tout le monde. Maintenant, ton corps, ton être, devient l'espace. Maintenant, tu es feuille, tu es vent, tu es air, tu es sensation, tu es planté. Contact de tes pieds au sol, prouve que tu te mets en contact avec la terre, mère. Terre du ciel, terre générale. La sensation très particulière que tu fonds, que tu te fonds dans le comme si tu pouvais capter et te connecter à tout ton environnement. Les insectes, les végétaux, tout le monde extérieur favorise ce contact. Maintenant, tu es la terre, héros de l'humain. Les muscles de ton corps ressentent comme une énergie.
des pieds. Relaxe bien. Aussi vite que ça. Entièrement. Détends et relâche maintenant tous les muscles des mâchoires. Maintenant, les mâchoires se relâchent, se relaxent. Tes lèvres se détendent. Détends ta langue, ton palais. Exact. Voilà, relâche tous les muscles du visage. Voilà, et du front. Totalement relâché. Les muscles du front se détendent. Exactement. Devient tout lisse, bien détendu, bien relâché. Maintenant, tout ton corps est relâché, de la pointe des cheveux jusqu'au orteil, aussi vite que cela. Supposons que
cette nuit, nous sommes nés sur la planète. Et que cette nuit sur la planète, qui est à nous maintenant. Durant le sommeil, ce sommeil, puisque tu es sur ta planète, en train de dormir sur ta planète, il se passe quelque chose de particulier. Aussi vite que cela, un miracle se produit. Un véritable miracle. Car sur cette planète, seuls les miracles sont de réalité, n'est-ce pas? Et tu peux maintenant gérer, tu sais comment gérer la situation qui te déplaît, cette situation que tu avais en tête.